Salut tout le monde, c'est Hero the Troll et nous voici repartis sur une vidéo sur Resident Evil 2. Alors, on va continuer la campagne de Claire. J'étais un peu mort comme une daube la dernière fois. C'était pas glorieux, glorieux. Mais bon, on s'amuse. Alors, ici. C'est bon. Nope, pas envie. C'est pas des câlins. Alors, attends, on n'est plus protégé par les forces de l'ordre ici. Ça cherche à nous tuer. Petit jumpscare. Je l'avais pas oublié celui-là. Alors, on va prendre. Hop, alors. Instruction coffre portatif. Ah oui, c'est les petits coffres que j'utilise avec des codes là. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante, allumez toutes les lampes pour ouvrir le code. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra la lampe et vous devrez recommencer toute la séquence. I know, I remember. Hop, on récupère le coffre ici. J'aurais peut-être dû... Non, ça... Ciao. Mais je touche une balle sur deux ou quoi? Alors ici la clé. Ah la clé, la clé. Très bien. Une petite place pour la clé. Oh no! Oh no! A plus de cerveau! Alors c'est celui qui était là, ouais, c'est ça. Alors, il y en a un qui va se lever là normalement. Ah, tu es là. Voilà. Bon, alors, on y reviendra le voir plus tard. J'ai du mal à parler ce soir, tiens. On me disait que j'avais quelques portes que je pouvais accéder grâce à la tenaille que j'ai eu au début. Le truc c'est que j'ai pas pensé à l'utiliser. Ces toilettes. Je n'ai rien à faire aux toilettes. Ah, c'est là. Est-ce que. J'en ai encore. Oui, j'en ai encore. Ah, putain! Waouh! Jesus! Ah! On va chercher plus tard.
ça aussi. Alors ça c'est pour accéder plus rapidement tout à l'heure, plus tard. C'est la manivelle pour l'étage. Shit. Oh non. Lève-toi. T'es toujours là, toi? Voilà. Voilà. J'avais la poudre blanche aussi à récupérer une part. Where is it? Je sais plus ce que ça fait quand on combine. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. C'est fait. Maintenant, tu finis de ce côté-là. Non, pourquoi tu... J'ai cru qu'il allait bouger encore. Avec tout ce que je lui ai mis, quoi. Quelque chose aussi, là. Ah non. On retourne de l'autre côté, là où j'étais précédemment. Parce que là, les pièces sont toutes fouillées. Hello. Ouais, j'ai pas le temps. Ah, tu t'es le renommé toi aussi. Pas le temps pour toi non plus.
Est-ce que je... Ouais, on va essayer la leva. Ah putain! Laisser ça ici pour le moment. Bureau des Stars. J'ai toujours pas ça. Note des Léons. Claire, j'espère que tu trouveras ceci, cet endroit grouille de monstres et ton frère n'est pas ici. Tu dois t'en aller aussi vite que possible, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Léon. Oh, ce meugnon. T'inquiète pour la petite Claire. T'inquiète, je suis dur à cuire. Ouais, c'était pour faire péter le. Alors, note interne. 22 septembre 98, avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur déplacé du bureau du TARS 2F vers le bureau 1F. Bureau Ouest. Ah oui, c'est le bureau en bas, oui, exact. 9 à gauche, 15, 7. De toute façon, je le relirai quand j'aurai besoin. Ça, on en a déjà un, donc on peut combiner. Alors on va redescendre tout le temps. Pas. Ah putain non. Non 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 non. Mais non. Pas déjà. S'il te plaît. Be my friend. J'ai pas envie. Pourquoi j'ai fait ça? Neuf, quinze, sept. C'est ça. Oui. De la place. Non. Dégage. Dégage. T'as pas une vie, t'as pas des amis, je sais pas. J'ai lu que si on marchait doucement et qu'on évitait les tirs, ils ne nous trouveraient pas aussi facilement et on pourrait se promener tranquillement.
Après, c'est ce que j'ai vu quand même. Putain! Ouais, j'ai plus besoin, très bien. Oh, nice! Oh, quel... Quel timing. Locker room. Ah, c'est après. Locker room. J'adore ces bruits de pas. Je fais un pont, je sais pas pourquoi. Alors c'est B. J'ai pas besoin de ça. Enfin si, mais plus tard. Enfin je crois. Pas envie. Alors, ça en dépose, ça en dépose. Mitrailleur, je sais pas quand est-ce que je l'aurai. On va faire plusieurs sauvegardes tout le temps parce que je sens que ça va vite déconner. Alors ici. Rien de tel pour attirer mon copain. My best friend. Et mais c'est là qu'il va y avoir des liqueurs. J'adore les liqueurs.
Mais oui, on fait beaucoup de bruit. Alors, ici c'est la dame. La dame. Bélier, harpe, oiseau. Ah, c'est bon. Harpe, oiseau. Oiseau. Ouais, ça c'est. Putain, il a. Ah! Ah! Mais non. Putain, dégage. J'aurais dû relever la commode avant, quel con. Putain, mais non, mais... Mais non, j'en ai marre. Là, j'ai pas tout pris, mais ça c'est normal. Ici, c'est pour la meilleure vie, mais ça sera plus tard. Alors ici, c'est le chevreuil, le dada. Les deux jambes, la balance. Les deux jambes, la balance qui est... C'est pas cassé celui-là. Ah, les deux jambes. La balance. C'est là d'être le scorpion l'autre. Ah. Je sais examiner les objets. Lion statue. Il va y avoir ici l'ennemi encore ou pas? On va voir si je suis assez légère pour passer ça. Parce que les monstres, c'était un gros balourd. J'ai sursauté, mais je savais. Je savais.
Mais quand tu passes les portes, toi? Est-ce que je t'ai demandé de passer les portes? Alors, on va faire ça comme ça. On va déposer ça et ça pour le moment. Ah, studio. Très bien. Très bien. La statue du lion qui est, rappelle-toi. Je peux pas compter sur toi en fait. J'entends tes bruits de pas. Ah mais oui, dans le... Oui. au milieu du commissariat. Dans le hall principal. Moi je veux pas, j'ai envie de trouver les objets moi. Aux survivants éventuels. Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives, les liqueurs. Ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à leur ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas ce que j'avais envie. C'est pas que j'avais. J'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle, et puis j'ai un copain à venger, David. Ok. Ok, David. Tu as tant de choses à me raconter, je crois. What the hell is up with you? Ici, et la poudre noire là-bas. Alors, par où tu vas passer, toi? J'ai raté ça. Non. Il n'est pas en vie.
Ce n'est pas négociable. Non. Non. Ah. J'ai l'impression qu'il est à côté. Ne dis pas qu'il descend les escaliers. Putain, il descend les escaliers. Mais non. Là, t'as pas le droit d'entrer normalement. C'est la safe room. T'as pas le droit de rentrer. Il est parti sur la gauche. Voilà, c'est là. La tension est à son comble. Le stress se fait ressentir. Et Aro va mourir. Ah. De salon. Ah, j'ai la carte. Voilà. Ah, pianterie, je peux pas y accéder encore à cause de ma clé. Non, mais non! Mais putain, mais tu me. Pardon, punaise. Tu me brises les. Cacahuètes. Il va y avoir un train de l'autre côté. Ah, d'accord. Si, il est là. Il y en a deux. J'ai fait un copain. Alors, Lyon, c'était quoi? Couronne, flambeau, hirondelle. Couronne. Thank you.
Voilà. Pourquoi j'ai toujours envie d'aller aux toilettes? Et pareil, j'ai toujours envie d'aller là. J'en ai marre de ce jeu. On démarre! Je vais récupérer les médaillons, les installer là-bas, quand je pourrai, quand je reprendrai. Et voilà quoi. Pourquoi je fais tout ça? Dites-le moi. Voilà, on va sauvegarder. On continuera plus tard. Ah, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Hero the Troll. Salut.